prends mon Apocalypse, chapitre 2. Nous lisons dans Apocalypse, chapitre 2. Le 8e verset. Nous lisons, jusqu'à 11e verset. Nous lisons en nom Seigneur Jésus-Christ. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Andikia kwa malaika wa kanisa ya Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Angalia kile wa kwanza na wa mwisho unasema. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Ule alikufaka na alifufuka. Je connais ta tribulation. Mina jua mateso yako. Et ta pauvreté. Na bunyonge bwako. Bien que tu sois riche. Ata vile kumutajiri. Et le calomnie de la part de ceux qui se disent juifs. Na kutungizia kwa mambo kwa bali wewe unajiita Bayuda. Et ne le sont pas. Lakini abana. Mais qui sont une synagogue de Satan. Lakini wenye kuya hekalu ya Shetani. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ushiongope ya vile utatesa. Voici le diable, je mettrai quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai de la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que dit l'Esprit aux églises. Mwenye kuwa na masikio asikie kile roho kunasema kwa makanisa. Celui qui vaincra ule atashinda n'aura pas à souffrir la seconde mort. Ashita tesa tena lufu la mala pili. Nitaomba Mungu. Mwokozi wetu Yesu Kristo, tunakuwa tena kusanti sa mangaribi. Shaba Mungu, tumejitoa tena kumbele ya uso yako. Bwana, ya mambo yote wakati hata watu hubiri kitu yote kile mtu hawezi kuhubiri paifashe. Kama kuku kintu Mungu tulifanya kilikuwa nyume Mungu ya mapenzi yako, tunakulomba upate kuturumia. Amen. Uturumia kumakosa yote. Uturumia kubile yote Mungu tulifanya Mungu bilikuwa bibaya kumecho yako. Amen. Sasa Mungu tunitoa Mungu mkazi yako. Mwepo yako Mungu wetu mwenekalaka biyote. Tunamini ke mpresansi yako Mungu wetu mwenekalaka gerizon. Mpresansi yako Mungu wetu mwenekalaka kuponesha Mungu kwa manzambi. Mpresansi yako Mungu solution ma problemi yetu. Mpresansi yako unetuacha Mungu tunakuwa uru. Sefurukua Bwana Yesu Kristo tunakuacha ikili chote kumangaribi, kumwanzo pana kumwisho. Mungina ya bei na mukozi Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Tawaza kukala. Mungu embariki sana. Amen. Le lundi tulenda kumoka mbo. Mshiba wa kwanza tuwa kwa moka mbo. Kwenda kujika Pasteur Mwewa. Tuenda kumaziko ya duku Mwewa. Ba frère walikuwa ba mingi sana na badata wale bari milamukia mungina Bwana Yesu Kristo. Amen. Beaucoup de frères et sœurs, tous vous en saluons notre Jésus Christ. Saba kwa bengine bengine walikuwa ba mingi. Tellement qu'il y a eu beaucoup de salutations. En particulier kuku Pasteur Kime wa palikasi na yale sema tute milamukia. Kuku na Pasteur Kime. Amen. Na yale sema tulamukia kanisa yote. Barikuwa ba mingi sana, bari ni transmettre mayambo mungina ya Bwana Yesu Kristo. Amen. Mungu emibariki sana. Amen. Tutendelesha paka na je yetu, la revelation de Jésus Christ. Nous continuons avec notre thème, ufunuo wa Yesu Kristo. Je crois, le dimanche passé, nazania muyenga ilipita, tulipima kwepengle kuma libaya biote bile katolika ringisha bila bina mubible. Tulisemea juu ya mambo yote mubaya ile kiiglisi katolika ringisha. Ce qui n'est pas dans la Bible. Il est comme nous on a toujours ce tenant dimanche. Et si Dieu le permet encore de ce dimanche. Tout à fait, nous tenons nguvu juu akusema tuisee tena kuendelesha patule tumapoa tena tuye turubakia. Nous allons encore continuer sur le même sujet. Sauti ya Mungu inasema. La parole de Dieu dit. Ushongeze wala ushitoshe. N'ajoute rien ou ne retrache rien de la parole. Kama unatosha mu Bible unaongeza mkitu fulani. Si dans cette Bible tu ajoutes quelque chose. Ile kama unaongeza esprit yako bien penser yako mu Bible. Si tu ajoutes ta pensée dans la parole de Dieu. Déjà ni shetani unaweka. Déjà c'est le diable qui est. Kama tena unatosha kitu fulani tena mu Bible. Ou si tu retraches quelque chose de la Bible. Ni shetani tena. C'est le diable qui infiltre. Mungu embariki sana. Amen. Mungu embariki sana. Amen. C'est pourquoi shina jitu kusanse ku c'est pourquoi nous sommes appelés à rester juste dans les écritures. Tout ce qui n'est pas dans les écritures, nous mettons ça de côté. Mungu embariki sana. Amen.
C'est pourquoi tout a continué. Après tout, le deuxième âge de l'église, l'église à Smyrne. Je crois qu'il y a un peu de temps. Il a donné une idée claire pour faire comprendre aux gens. Il dit ceci. Dans la deuxième lettre, le ressuscité se présente ainsi. Le ressuscité se présente ainsi. Voici ce que dit le premier et le dernier. Qui a été mort et qui a repris la vie. Il dit ceci. Mais tu es riche. Et l'outrage de ceux qui se disent être juifs. Et ils ne le sont pas. Même aujourd'hui, ça y est. Il y a des gens qui s'appellent chrétiens aujourd'hui. Mais qui ne sont pas chrétiens. Amen. Tout chrétien n'est pas chrétien. Tout juif n'est pas juif. Amen. Un chrétien. Un véritable chrétien, c'est celui-là qui fait la volonté de Dieu. Comment tu peux t'appeler chrétien alors que tu ne fais pas la volonté de ton Père? Comme on a volonté à Muntu mwingine, si tu fais la volonté d'une autre personne, à part Yamung, Parce que tu as un autre Père, Dieu. Nous l'appelons notre Père, Mungu. Et qu'au Père, quoi et tout. Ni baba et tout. Même le diable aussi, c'est un Père. C'est le Père du mensonge. Le père du mensonge, c'est le diable. Baba wa bongo ni shetani. Et le père de la vérité, c'est notre Dieu. Le père de la vérité. Je parle pas nasema. C'est pourquoi il dit ici. Et l'outrage de ceux qui se disent être juifs. La kazara ou kenya banya kujita bayuda. Et ne le sont pas. Lakini bana bayuda. Mais ils sont la synagogue de Satan. Lakini ni kwa ekalu ya shetani. Ne crée en aucune manière. Les choses que tu vas souffrir. On dit à ceux de l'église de Smyrne que vous allez souffrir, mais ne craignez pas cette souffrance. C'est vrai que vous allez souffrir. Ne craignez pas cette souffrance. C'est Dieu qui savait que malgré la souffrance, moi Dieu, je vous ferai sortir de la souffrance. Lui-même connaissait que, puisque lui-même a dit à Kusema, soyez fidèle jusqu'à la mort. La souffrance de ce deuxième âge les a menés jusqu'à la mort. Soyez fidèles.
Lakini Mungu alikosema mkuu baminifu. Jusque même à la mort. Hata na kulufu. Mungu amebariki sana. Amen. Sasa mushike vile kuna sema. Écoutez ce qu'il dit. Ne crée en aucun cas, en aucune manière les choses que tu vas souffrir. Ushongo pata kidoko bila bintu tatesa. Voici le diable. Lakini mwangalia shetani. Va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Il va vous envoyer dans les prisons pour vous éprouver. Dieu accepte. Shetani aveva mitupe mu prison. Lequel le diable jette. Dieu a mis prison. Mais comment vous m'attendez à Mungu va bien quoi? Si réellement vous êtes des enfants de Dieu. Léo, je trouve ma prison à Shetani. Aujourd'hui, nous sommes dans des prisons. Comment tout le monde a été sa chine prison? C'est la souffrance. Mungu je vais combattre ma tête. Dieu n'a pas créé la souffrance. Mungu a rumba pour que tu sois stable. Dieu nous a donné la stabilité. Mais Léo, comment tout le monde a été sa chine ma prison? Mungu ne tupi ma comment tout le monde a été. Nous souffrons, nous ne sommes pas des épreuves. C'est une prison pour que nous. Dieu n'a goûté ça à Moutoto à Mungu. Et moi, c'est une amoupita. Et c'est tu trouves quelqu'un qui dit un jour je peux même me pendre. Mungu embariki sana. Mungu embariki. Amen. Mutoto wa Mungu avia kwenye kala. Ena fan de Dieu. Matesu inapita. Anasa baki za vile nkamba rifungi. Komasa cha ya pense même s'il peut se pendre. Me hako wanasema soyez fidèle. Me ici la parole de Dieu qui mkwe pa mbili. Jusqu'à la mort. Paka na kulufu. Mungu embariki sana. Amen. Anasema hivi. Afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Quelle que soit la souffrance par laquelle tu passes, tu arrives même au point de mourir. Mungu lui nous demande d'être fidèle. Tu es baminifu. Il va nous abandonner chez nous. Il va nous prendre mort. Parce que malufu deux fois. Parce que lufu kukufa mala pi. Mungu embariki sana. Mungu embariki sana. Lufu la kwanza esprit natoka ni mwiki kimwili. La première mort c'est l'esprit qui quitte le corps. Deuxième mort maintenant ni esprit natoka sasa mule mu âme mu nafsi mule la natoka. La deuxième mort c'est la mort de l'âme. Jokule batenda chomaka ba satan na ma esprit yote ya mubaya. C'est là où le diable et les démons seront. Mungu embariki sana. Amen. Hii lufu tunakufaka lufu tunakufaka. Jopo na sasa mtu kama anakufa mubaya. La mort que nous mourons, quand quelqu'un meurt dans le péché, il attend le jugement dernier. Il attend le jugement dernier. Vu la Bible, c'est mon apocalypse. Comme la Bible le dit dans l'apocalypse. Ceux qui sont morts dans les eaux vont les mourir. Ceux qui sont sous la terre va les mourir. Ils vont passer par le jugement. Après avoir quitté le jugement. Et quand ils vont passer par le jugement, tous ceux qui sont morts dans le péché ils vont mourir la seconde. Mungu embariki sana. Mungu embariki sana. Amen. C'est pourquoi Léo. Donc ça va toi à Mungu hata kama mimi nakufa leo. Si je mourrai aujourd'hui. Mimi nakufa na Yesu ndani yangu. Je meurs avec Christ en moi. Mimi sitaita tena sema mimi nakufa. Je veux dire pas que je suis. Donc on sema kwa Kristo bana lalaka. C'est pourquoi la Bible dit que le chrétien il s'endort. Mais on est dit reposer. Il se repose seulement. Kama mimi nakufa na Roho Mtakatifu. Si je meurs et le Saint-Esprit. Il est Yesu kwa sema pale pa mawingu. Quand Jésus-Christ s'étendra dans les airs. Au son de la trompette. Google bila ni. Mimi nakufa mimi naenda kutana naye. Mimi naenda kutana naye. Mungu ibariki sana. Amen. Mimi sitapata tena lufu la pili. Je ne voulais pas la deuxième mort. C'est pourquoi lazima. C'est pourquoi la chose la plus importante. C'est être baptisé du Saint-Esprit. Maintenant, le véritable croyant. Na mwaminifu wa byakweli. De cet âge, va mwika misa ya pili. Le véritable croyant de cet âge. Mwaminifu wa byakweli wa mwiki zazi. Souffrir de dures tribulations. Barite soma te soma kumu. Du point de vue humain. Ils étaient pauvres. Et ils furent outragés. Et cela de la part de ceux qui se prétendaient être de vrais juifs. C'est-à-dire des véritables croyants. Mais qui en étaient, mais qui en fait étaient. Une synagogue de Satan. Lakini walikuwa tu ni hekalu ya Shetani. Watu wanaweza kuona sema ni Bajuju vile ingia mkanisa pa kiwanto ingia mkanisa. Les gens croyaient que c'était des Juifs vile ingia mizante dans l'église comme nous tous. Mais ba mingi wanaweza kufanya walikuwa washafanya ni kikanisa cha Shetani. Mais en eux c'était la synagogue de Satan. Yote ile ni nini ya kuongopa la kuongopa mateso. Eh ils ont fait ça pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de la souffrance. Mungu mbariki sana. Amen. Est-ce que vous n'apprendez pas teso? Qui veut souffrir? Est-ce que ou la rumbaga mecho ni nani? Qui a créé l'œil?
Tu peux faire quelque chose de grandiose dans les choses de Dieu. Mais le diable vient instiguer la peur en toi. Est-ce que toi tu veux sûr que tu peux prier que la il place la doute. Il place le doute. C'est pourquoi c'est pourquoi si tu sens quelque chose qui te pousse à servir Dieu, tu verras comment Dieu le fait. Tu peux prier Dieu qui te donne l'argent. Mais je n'ai pas d'argent. Je n'ai même pas d'entrée. Le Seigneur encourage le sien. Ubana ego na tia nguvu benye kwa bake. Cette parole. Kupitia ineno. Mushikele sauti le Mungu na ina kura ile to encourage na. Écoutez la parole avec la. Quel que soit ma matière tu n'as pas. Il attend ma tête sur quoi tu encourager ça. Mungu na tutia nguvu. Anasema le Seigneur. Wasema Bwana. Encourage le Saint par cette parole. Ego na tia nguvu babake kupitia ineno. Ne crée en aucune manière. Ushongope hata mwaina kani. Les choses que tu vas souffrir. Le bintu bila utatesea. Quelle que soit la souffrance, ne crains rien. Quand nous nous disons que nous souffrons, frère, il y a des souffrances. Un jour, on parlait avec le frère Honoré. Nous avons dit que sur cette terre, quand nous disons que nous souffrons, réellement nous ne souffrons pas. Nous avons donné un exemple. On a fait un cercle. Si nous faisons un cercle, si nous faisons un cercle, si tu regardes derrière, tu vas voir. Vous pouvez comprendre. Nous venons de l'éternité et vers l'éternité. Oh frère,
Oh, nous sommes venus accompagner les gens. Notre Dieu ne va-t-il pas? Amen. C'est pourquoi ne craignez rien. C'est pourquoi vous n'avez pas Mushongo. Mushongo Bekintu, frère. Attends, on engraisse, on en a bien couru. Même si tu n'as rien à manger. Qu'est-ce que tu as couru? Tu manges. Mungu Mbariki sana. Amen. Est-ce que tu as l'air nanjo? Est-ce que chaque jour ici, tu dors la famille? Est-ce que tu as l'air nanjo? Tous les jours ici, c'est que tu dors la famille. Tu as l'air il n'y a-t-il pas un jour où tu te sens inconsolable? Il n'y a-t-il pas de jour où tu y es? Ah, on est une petite sens, tu commences à pleurer. Moi, il faut être reconnaissant. Tu n'as pas choisi avant toi à choukler. Parce que Padouni, il y a le bas. Parce que Padouni, il y a le bas. C'est ça, non? Dieu va dunia. Dieu dunia. Kule tu tapote ya biote ya nile ni kumbini. Na unu zoro tu. Mwe bali sana. Hapa dunia unezu naisha masomo. Si si sur terre, tu peux terminer les études. Unateswa sana, unafunda. Ata kufunda ni mateso. Faire les études, c'est une souffrance. Una lamuka busubi wa sema ifo uingia kumasomo 7h30. Tu te réveilles chaque matin pour arriver à l'école à 7h30. Unacha bandoa uwa kulala, huku obligea kuenda kumasomo. Laisse tes frères endormis, toi tu es censé aller. Kuku baridi, kuku yu, kuku nani, vula, una pita pita mumamayani, mumani. Qu'il pleuve, qu'il neige, tu es censé aller à l'école. Ni mateso. C'est une souffrance. Unatumika vile, unafunda tiku, unapata diplôme. Tu dis, tu termines, tu as le diplôme. Unafa. Tu te dis que je vais me reposer. Ah, famille, na weza sasa. Ah, j'ai terminé. Bongo. Ce n'est pas ça. Kuku padunia. On n'a pas tenu diplôme, maintenant qu'on a quoi, maman, on t'a foutu sa cage. Tu as le diplôme, maintenant il faut le travail. On t'a foutu sa cage. Je vais te faire. On est dans le chinois, cage. Tu vas chez les chinois, il n'y a pas de diplôme. On est dans mon Kijiba. Bon, on a fait un examen à Bakoubé. Il parle à Kijiba, il n'y a pas de souffrance sur souffrance. Il m'a tenu son amangaï. Tout le monde dit ça. Amen. Oh, oui, mon goût, n'y a oh, Seigneur, tu m'as abandonné. Mon goût, je crois, chéri. Je ne t'ai pas. Il y a un jour. Mon goût, je crois, Amen. Mais ce qui est l'homme ne tarde pas au quand les enfants disaient quand ils ont quitté l'Égypte pour aller dans malgré mon gars va faire un chemin miracle déjà pour mon gars va faire un chemin miracle par la fille au milieu de ça va ne dégoûter comme Congo va beaucoup par soldat va devant la mer rouge. Mungu anafanya miracle, mer rouge inafunguka. Dieu a ouvert la mer rouge. Bana tambuka na mikulu hii mbali. Bana tambuka traversé à sec. Mais malgré ça. Mais attends vite. Bana geuka balinda kule ngamba. Bana tambuka. Moïse. Moïse, toi je kia mamai. Na chikia mamai. Nous avons soif Moïse. Bat muminiti bana sabwa. Quelques instants seulement, ils ont oublié tout ce que Dieu a fait. Bana mama na mumbashi bia mai hivi wanatambuka mukavu. Ils ont touché le mur. Miracle. Ils ont traversé à sec. Mais kutafuka tu kule ngambo. Ils ont traversé de l'autre côté. Moïse. Moussa. Tunashikia kiwi kia mai. Nous avons soif maintenant. Urupasha utoje ta mwejibu. Tu devais nous laisser même en Égypte. Mungu mbariki sana. Mungu mbariki sana. Amen. Ils sont arrivés dans une rivière où il y avait de l'eau. Dieu dit à Moïse, jette une branche. L'eau est devenue l'eau douce. Tout cela, ils n'ont pas vu. Moïse! Moïse! Jala. Nous avons faim maintenant. Moïse sans muntu. Moïse comme il était fatigué. Il était fatigué. Parce que Moïse est l'homme de moi qui s'y l'a mis. Parce que Moïse était un homme colérique. C'est ce moi qui m'a choqué sur moi. Il a dit, vous m'avez dit, vous m'avez dit, vous m'avez dit, vous m'avez dit, pourquoi il a dit ça? Parce que c'est un humain. Vous m'avez harcelé. Dieu vient de faire. Si, n'a moigné Aaron. Jusqu'à Aaron même. Mukubaje mwenye Aaron. Aaron qui était il était fatigué de kuabudu na être de ma statue. Il est allé même faire une statue d'or. Oh tu n'as jamais njala. Oh nous avons fait. Mungu analeta manne cache. Dieu leur a donné la manne. Banakuria banajiba. Ils ont mangé, ils ont rassuré. Moïse, mai. Oh de l'eau. On l'a quitté Moïse, mouite ou le moyen de Fouania. On vient d'appeler Moïse. On l'a quitté Bantu, tu as fait Bantu, ma solution à Bantu. Je mouite ou le moyen de faire un miracle. Au lieu de chercher le secours de l'homme, cherche celui qui fait le miracle. Ils avaient les yeux, mais ils ne voyaient pas. On a connu ça Moïse, ni Muntu, le bénétilisé. Au lieu de prier vers Moïse, qui était un homme que Dieu. Si on a monné, je ne pas parler. Mungu, tu devais dire. Mais je tiens à Mungu, t'allais. Dieu, j'ai faim. Dieu, je vais répondre. Moïse, Moïse, Moussa, Moïse. Moïse qui vient à mon pitié, Moïse a été dépassé.
Maintenant, mon guipande, fin de compte. En fin de compte. Yo, bah, moi, c'est mon amouamba. On lui a dit de parler à la. Non, ma carrière avant, toi, ma chiki. Puisque les gens l'avaient harcelé, il était déjà dépassé. Ça, mais le mot, mon appende. Comme vous, vous tuez le mot, il a frappé le rocher. C'est mon amouamba. La parole, Dieu lui a dit, il parle le rocher, mais lui, il a parlé. Il a malgré de la réplique. Et quand il y a même la prochaine, le rocher a fait sortir. Bantu anakunwa maji. Les gens ont bu. Mungu anamonesha Moïse. Mais Dieu dit à Moïse, wakati kwa sababu unafanya vile. Comme tu as fait ainsi. Kaja kunafanya nini? Termine ta mission, se termine. Angaria terre promise yo il est pas allé. Regarde, la terre promise dont tu te parlais là. Mais toi tu n'y entreras pas Moïse. Aoutengia. Tu n'y entreras pas Moïse. Kupitia bantu anamushindisha kuingia. Ce sont les gens qui ont fait que Moïse puisse la tête d'entrer. Mungu mbariki sana. Mungu il faut ayue ni nani yule kona mudu. L'homme doit savoir qui il adore. On est sur le kimbira kwa mtu. Mtu na yeko na madene na madefe na madefiance yake. Tu peux te se t'appuyer sur un homme. L'homme a aussi ses défauts. On est kimbira kwa mtu kwa non ni député. Tu vas t'appuyer sur ton frère qui est député. Nani yule député shishinda. Qui t'a dit que le député il a trouvé des solutions à tout? Ndukuyangu ni ministre, attention. Mon cher frère qui est ministre à Kinshasa. Léo n'a pas 200 dollars. Aujourd'hui, tu te donneras 200 dollars. Qu'est-ce qu'on a 300 dollars. Demain, tu te donnes 300 dollars. Qu'est-ce qu'on a sapana. Niko na programmé mbele na mini fanye mbele campagne ya Djuba ni vote. Demain, il va te dire que moi, demain, je n'ai plus rien. Il faut que me vote d'abord. Mungu mbariki sana. Mungu mbariki sana. Muntu ushespere mu muntu. Ni ushi tumainie muntu. Muntu akuespere ni Yesu Kristo. Naomba akil faut espérer ça en Jésus. Parce que ndani ya Yesu. Muku ma solution a bintu. Il y a des solutions à tous nos problèmes. Mungu mbariki sana. C'est pour nous abonner chez Mungu sema je connais votre souffrance. Donc, comment il disait à ceux de l'église de Smith que malgré que vous t'attendez soi. Ne craignez pas cette souffrance. La Bible est bien celle de ton échec dans ses mains. La Bible dit Ushongope ou la taoua qui mouille. Ne craignez pas celui qui tue ce corps. Ushongope ndouyang ou tout la taoua qui mouille. Ne craignez pas celui qui tue le corps. Mais craignez celui qui tue l'âme. Cet exemple ya nafsi mana la valeur ya nafsi. Et nous avons donné l'exemple de l'âme. Ivi tu kwa nafsi yako ndugu yangu na dada yako. Tel que nous sommes là ton âme mon frère nafsi ma soeur. Nafsi yako nafsi. Une âme seulement. Ivi na valeur ya 10,000 mondes. Ça coûte au moins 10,000 mondes. Frère, 10,000 mondes. Ça coûte ça la valeur au moins de 10,000 mondes. Musée. Au chapeau tu as 10,000 dollars. Que tu as déjà eu 10 000 dollars. On en a agi à chaque fois, papa. Regardez l'âge. On a dit que je n'ai pas 10 000 dollars. Dit que je suis d'Afrique comme 10 000 dollars. Mais je n'ai pas dormi. Mais il est sur la terre. 10 000 dollars. Il n'a jamais touché 10 000 dollars. Mais Nafsiak. Mais son âme à lui. Il Nafsiak. Son âme. Il a une valeur, il y a 10 000 mondes. Il a tout 10 000 dollars. Il ça coûte 10 000 mondes, pas 10 000 dollars. Tu l'as dit, tu m'as 10 000 dollars, tout pas le monde. Donc, même les 10 000 dollars, le monde ne coûte même pas 10 000 dollars. C'est nous. On a valeur à nafs. Donc, tout ce que nous voyons sur cette terre, ça ne peut même pas coûter une âme. Mais on a coûté un monde, tu joues à nafs, c'est quelqu'un qui est un âme. Mais tu trouves quelqu'un à quoi? Il est vrai n'importe qui. Il donne, il l'offre son âme à n'importe qui joue avec ça. L'âme qui pêche. Il n'a pas dit qu'on a tête ça. Il n'a tête dans un Dieu est à couper. Ah, il faut que tu aies ça. Il faut que tu aies ça. Mon nafsi, mon nafsi, mon nom, 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 Il trouve dans son bar en train de danser toute la nuit. Le matin, ces gens-là, le diable les a beaucoup trompés. Quelqu'un avant de construire la son première des choses à faire, c'est une urinoire. Kia kwanza kila naengaka naengaka ifosha koyoria. Mungu mbariki sana. Mungu mbariki sana. Mpombe. La boisson. Un autre terme, c'est une mikoyo. C'est l'urine, non? On a monté. Oh, mon frère, bien dans le langage, moi. Et ils ont un certain langage. Fouanya, mais ça y couille noir. Fouanya qui, mais ça qui voit que Keushi. Qui est Keushi, ça dit ni manchoufa, inaya là-bas. Donc, la table est pleine de bouteilles de bière. Et on a couno. Il boit. On en a pris un temps dans la mouka l'aide. Il va à l'urinoir pour aller. Ma couille, on est dans mon vide. Donc, il est en train de jeter son argent. Amouya onaka. Moucha onaka.
C'est comme l'argent qui est placé dans une poche trouée. Où tu mets, ça tombe. Ça tombe. Tu bois tellement. L'urinoir est à côté. On a touché. Tu vas uriner, tu reviens. Il est magout, pourquoi n'a-t-il? Il n'a pas qu'à quoi le voir. L'argent, c'est le il est bon pour le bonheur. Il n'a pas qu'à moi. La personne que tu as bu, tu as laissé dans le. Tu rentres dans la maison ivre. Au calette fujo. Pour aller maintenant troubler là où tu pars. Au calette aïe. Pour aller faire la honte là où tu pars. Nous sommes mariés. Mais nous sommes tous en bicom. Mais Dieu nous a fait sortir des saletés. Il faut être reconnaissant. Tu n'as pas chaque coup piqué à mon gars. Dieu n'a goûté pas ça, ça nous a dit. Et tu trouves un parent. À chaque fois, j'ai ma besoin. Qui a déjà fait les grands besoins dans les habits. On a goûté un bateau de chaque coup. Papa, papa. Et tu retrouves les enfants en train de les soutenir. Aïe, l'amener à la maison, quelle honte. J'étais dit que j'ai dit que je ne pas battre ton mungu. Aïe. L'objectif du diable, c'est de t'humilier. Ma tête est toute la pitié, ni Dieu, pas attends, ne sais pas si tu es un tu ne souffres pas. Et quand on a souffert, tu te souviens. Soigne, pas tu es une souffrance pour t'humilier. Mais nous avons un Dieu terrible. Mungu est un pas notre Dieu ne nous humilie pas. Mais si toi tu l'humilies, tu vas c'est pourquoi mon mambo mungu, tu es un aïe. C'est pourquoi dans les affaires de Dieu, nous n'avons pas honte. Je n'ai pas honte de l'évangile. Si nous avons aïe à l'injil, si tu m'invites même dans l'église catholique pour présenter la parole de Dieu, je présente avec beaucoup de prudence. Tu prêches, mais avec beaucoup de prudence. Dieu va t'accouper quand on fait attention. Frère, il s'est dit que nous c'est la parole de Dieu que nous vous prêchons. Vous avez dit que nous vous prêchons. Envoyez-moi même chez les néo-apostoliques. Ni bébé tout, ni présenté pas qu'il vient de présenter. La parole telle que nous l'écoutons ici, ils ne vont pas la supporter. Ils vont te chasser. Parce que tu n'as pas Bible du Fanika. Puisque dans la Bible, on les Jésus-Christ en Afrique. Jésus-Christ lui-même. Alors c'est aujourd'hui. Il a dit aujourd'hui. C'est écrit, c'est accompli. Il a dit qu'on a Timilika. Oh? Il dit oui. Oui, tu as besoin de oui, on a dit c'est pour toi mon oui. Jésus n'est pas capable de la puissance. Jésus c'est parce qu'il était puissant. On voulait le jeter dehors pour aller le lapider. Parce que c'est ma vérité. Parce qu'il leur a dit la vérité. Mais comment moi mon épique? Si vous ne me lapidez pas, pourquoi vous ne me jetez pas dehors? Parce que vous êtes à voir de Dieu. Amen. Les enfants de Dieu supportent la vérité. Mais l'enfant du diable devant la vérité ne la supporte pas. L'enfant du fils de Satan, il supporte le mensonge, mais il ne supporte pas la vérité. Amen. Ça fait mal. Quand nous parlons, nous disons aux soeurs, regardez ce qu'il fait. Il y a des choses qui sont bien. Oh, toute vérité n'est pas bonne. Oh, quelle yote aina mzuri kuisema. Oh, la vérité tue. Oh, quelle yote naumiza. Je sais mes vérités. Mais disons ça, c'est ma langage à Bible. Bible. Lorsque vous aurez la vérité finit par triompher. Viens toujours de ceux qui pensent être le seul dans le vrai. Est-ce que vous comprenez? La persécution. Vient toujours de ceux qui pensent être les seuls dans le vrai, mais qui en fait n'y sont pas du tout.
Le vrai enfant de Dieu ne persécute pas les autres. Amen. Frère, Doku, si tu n'as vérité, frère, l'église catholique de la Ranzac. C'est ainsi que c'est nous l'église universelle qui obtient bien quoi. Mais après, on a tout mais après, on a ça quoi avant. Moi, je mes Bibles. Parce que mon avis, quand on a ma Bible, il y a la vérité. Puisqu'il savait qu'en lisant la Bible, il découvre la vérité et il a commencé à. Quand on a coupé la Bible, Yves, on te trouve avec la Bible. Ni beaucoup lapider. On va te tuer parce que tu as la Bible en main. Je vais te raison qu'il y a quand on a coupé la Bible. Bible, il y a notre demande à vie banale. Il est la cette Bible avec laquelle nous marchons, vous vous sentez. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. On faisait à quelqu'un la chasse à l'homme avec tous ceux qui détenaient des Bibles. Frère, je prends ma Bible. Avec la Bible en main. Et l'église. Ce n'est pas les païens ou bien les gens, c'était les ceux qui se l'église, vous voulez m'entendre dans ces machines, je vais dire, je vais toujours pas savoir. Mais tu me dis, tu vas y aller, mais le coup, il va y aller. Pas sous là. Pas sous là, pas sous là, pas sous là, pas sous là. Pas sous là, pas sous là. Pas sous là. Il déchire la Bible. Ouais, mon nom, on a le tracé. Comment ça déchire? Ouais, qui se moto? Allume le feu. Il te tire maintenant les yeux. Tu te connais dans la Bible, oui. Et je veux que nous allons te croiser avec la Bible. Et il te flagelle même. Pourtant, ça vous fait que nous avons la Bible. Tu verras quand tu trouves la Bible. On a écrit bien mal la Bible. C'est la tabacque. Il m'a dit Piyaka. Je ne veux pas. Moi, je vais dire ça. Il quoi dit Boka? Il quoi dit Boka? Il quoi dit Boka? Il quoi dit Boka? Ils ont instigé la peur dans les gens pour qu'ils ne puissent pas. Non, mais non, n'ayez pas peur. Je commande à mon gars, c'est ma mouchongope. Mouchongope, t'es comme ma tête, je n'ai rien à faire. Mouchongope. Attaque, même si vous souffrez de quelle souffrance. Il y avait des témoins. Il prend la Bible encore, il marche. Allez, on divise en un ou l'amour. Ceux qui ont compris. Mouchongope. Nous aussi, nous souffrons aujourd'hui. Bible Léo. La Bible aujourd'hui vous représentez vous saouti à Saouti à Mungu. Quel que soit ta matin sur le Tubambaji. À ta matin sur le quoi? Ouchi tout pe saouti à Mungu. Mais je ne te parle pas. Mungu Barisa. Ouchi tout. À ta binafika Jé. Même si quoi qu'il arrive. Prêt. Il vit toujours avec Allah. À toute famille, ni même. Dès que nous sommes là, nous ne nous connaissons pas intérieurement. Peut-être tel que nous sommes là, il y a ceux-là qui ont consulté les devins. Il est ni secret, Amuntu. Mais c'est un secret. Mais comme on est dans le monde, on a tout dit à Amuntu. Mais si tu as la parole de Dieu, on a déjà sauté à Amuntu, on est dans le monde, on est dans le monde. Tu laisses la parole de Dieu pour aller chez les devins. Tu es en train de te lier. Mungu barikisa. Amen. C'est pourquoi tu as vu tout le monde, tu as vu Mangari, 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 même quand nous parlons, tu es peut-être, tu veux sur toi, même il y a une corde dans la hanche. Pourquoi est-ce qu'on a plus protection en Kamba? Toi, tu as déjà vu où la protection vient d'une corde. Et puis là, il y a et cette chose c'est quelqu'un qui a pris les matériaux que notre Dieu a créés. Mille vintu mungu ariumba. Les matériaux que Dieu a créés. Il prend les herbes, les racines, 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 il prend les tu peux être déjà baptisé. Mais où est-ce que tu m'as vu toi vivre? Mais avec des histoires d'amour. Non, Dieu, on ne mélange pas avec des histoires d'amour. Non. Et amen. Tu verras que les choses n'iront pas. Amen. Amen. Pour la seule chose. Oui. Mais c'est le véritable enfant de Dieu. Ne persécute pas les autres. Ah, bah, t'es ça qui est bien guimé. Pas évite la dame, tel que nous sommes là avec notre soeur bébé. Comment tu l'as dit? Da bébé, jambo, attends, y'a un goût, on a check à tous. Mais qu'on peut m'en. Mais à côté? Da bébé, da bébé, elle aussi. Bah, qui ah, qu'elle reste seulement comme ça. Mais persécution. Je vous la descends. Je vous la descends. Mambo ya ndugu yako kwetu na fresh leo. Mambo ya fresh leo nyenze kuonesha mapagano. Je kwa. Atende kwa yalifanya mubaya. Même si là elle m'a fait le mal. Mambo ya mapagano ni kwanza unaweza nikushisha ndugu. Si je le même devant le pas je l'ai tué.
Le véritable enfant de Dieu. Mutoto Mungu bien appris. Ah, ça te ne persécute pas l'église, son frère. L'église catholique, tout est mis sur mon frère. Mais l'église catholique, il a persécuté les enfants de Dieu. Il a persécuté en réalité son Mutoto Mungu. Kama tu ndani yangu mishi sema wakati nina ombea tamina na wewe majishi mimi naanza mpaka la frère. Même dans moi, quand je te trouve que j'ai mais pas... Mais ça, c'est pas bien, mais c'est bien, je suis en train d'appliquer des histoires sur mon frère, alors que je sais que ça n'a pas d'effet. Je suis en train de le persécuter. Mon tonton frère est dit à la couffe. L'enfant de frère est dit... Je suis en train de le persécuter. Moi, je commence à lui demander l'argent. Je suis persécuté quand tonton est à mon goût. Je suis en train de le persécuter, non? Mon goût est marié, ça. Amen. Mais il y a un goût, c'est ma goût, Dieu n'est pas solution. Qui t'a dit que l'argent donne la solution? Combien avaient d'argent et ils sont morts? Banacha mama kuta mambio na mamio. Ils ont laissé. Ben yule wanijiwa na mchinja blongo bandu wa yote abagua ta kuya. Ils ont laissé la terre et l'argent sous le sol. Ses frères ne savaient même pas qu'il y avait l'argent. Ki dunia kuna kitu. Ce monde ici n'y a rien de spécial. Ndio maana Jesus anasema. C'est pourquoi il déjà se dit. Ali kupima bintu byo. J'ai tout fait. Salomon. Salomon anasema miripima bintu. Salomon dit que j'ai tout fait. Na wapa viva zungu. J'ai épousé des beaucoup de femmes, des pierres. Na fanya. J'ai fait tout ce que je pouvais. Na wumbreje pa duni. Et finalement j'ai trouvé que duni est vanité. La duni a nous bâti le tout. La biote tu ni pepo tu. Et tout n'est que pour n'est que. Le unes bon enfant ya mingi sana. Aujourd'hui tu peux avoir beaucoup d'argent mon frère. Dans 2-3 jours, tout cet argent volatilisé. Il y a des gens qui avaient des compagnies aériennes. Qui donnaient même leur argent à des gens. Aujourd'hui, vous sortez. Vanité de vanité. Kuku bintu ya mingi sana. Il y a beaucoup de choses. Respectez batoto ya mungu. Heshimia batoto ya mungu. Hivi naona mwisha wikana pale. Nous sommes censés vous respecter. Tel que vous êtes assis là. Kuku batoto ya mufalme. Mungu ndiye sana. Shitu kuba serviteur benu. Nous sommes batumishi benu. Tuko munyumba ya baba. Ya mwenye boss de boss. Tunatumika ni munyumba boss de boss. Hii nyumba tunatumika ni munyumba ya boss de boss, c'est le Seigneur Jésus Christ. Na boss, Mungu bariki sana. Batoto yeche chini mweye. C'est vous qui êtes ses enfants. Si ndio maserviteur tunatumika. Si tuko baboy munyumba. Mungu bariki sana. Sasa ule boy yeshinaje batoto ya batoto ya boss de boss watamfanya nini? Ule ikae le batafanya nini? Respecte les enfants du patron. La finalité, elle sera licenciée. Ça, c'est mon chien, vous tenez ça, mon chétan. Mais écoutez, maintenant, c'est quoi l'église des réveils. Mon macadis, ça y est, c'est pas un mouchon. Église, barbe à chaque la lac. Et bon, barbe à chaque la lac. Je m'en ai dit réveil, ça. Ça va, n'a pas qu'on a la mouka, ça. Si tu m'église du réveil, frère. Si tu m'église du réveil, frère. Si tu m'église du réveil, tu n'as la mouka, ça. Ah, je termine. Tu n'as la mouka, ça. Ça, c'est pas la mouka, ça. Mais on a mis ils sont ils se réveillent mais pas tout va serviteur ils sont les vieux mais ne voient pas mais na et je descends na sakocha ngo misha kubamba avec ma mallette à main weye mutoto wa mufalme mutoto wa mufalme mutoto l'enfant du roi on est pour que la boy on est pour que la boy dans bébé à sakocha na sakoshi huko manship c'est la folie non na nyero wenda sema juu respect qu'est-ce qui te dit que c'est le respect. Twitter est bien frère. Tu sais mais clairement. Un serviteur nous a dit ça. Mutumishi nous sema boy. Quand vous êtes endormi, mini na katisha na ku préparer chakula. On est en train de veiller en train de lire. Oui,
Dieu nous chinerait bien pour la vivre. Pour que je ne puisse pas vous apporter une chose. Mon mari est sale. Il est mon chagou là là. Mini gouna. Quand vous dormez, moi je. Mon bon mari est sale. Donc ni je vais pérequer bien pour la vivre. Puisque je n'apporte pas. Le chef frère va m'amener dans ses malocoïtes. Il est beaucoup plus grand, mais c'est pas le coït. Malai, Malai, Amonaki mu maeglise nya ku shutura gani ku reveye kule. Amonaki batoto wa Mungu benda mwambia ba. Ba. Voilà mon coto. Il faut que kilato qui a obéi. Tu n'as qu'à monter sur mon parfum ou ébène à weka. Moi, il est ni ndumba. Il est là, il s'est parfumé. Mais malgré ça, il est avec des filles de l'église en train de se prostituer. Il prend une soeur à la forêt, il engrosse. Tunapasha kuprotege kanisa ya Mungu. Wazee tunapasha kuheshimisha sauti ya Mungu mu kanisa. Mimi najua sio kuna mimba yangu. Najua sema ulipata mimba. Hii mambo haifai by you. Haifai itoke mu kanisa. Haifai by you basi unafichia ni mchafu. Hey, for the body and the soul. Kwa sababu ukonje kama ulikuwa mtumishi wa Mungu hapa kweli. Yaani siti ya tunapasha moja mtoto ushende kutosha mimba. Ndio ndio. Hii mambo hata mtoto anazalika mimi tatubu kumbele hapa. Il faut pas aller avorter parce que faut aller. Mtoto mwenyewe ashoneshe kama mama yake. La fille elle ne dit même pas sa mère. Mtumishi wa Mungu. Ule ndio nasema mtumishi wa Mungu. Le serviteur de Dieu. Anatosha na makuta yake. Ile makuta yenyewe inatoka wapi? Dîme ya watoto wa Mungu basi. Il prend même l'argent qui provient de la dîme des enfants de Dieu. Anatosha makuta na kaburaka. Pour aller donner à la fille pour bonheur avorter. Unakuta na yeye docteur na chocha show mashikio. Et tu trouves un docteur ignorant. Anaenda ringisha mumao. Et lui aussi insensé. Maliza bana mwanga. Il se lit et ils ont versé le sang. Niye na wewe vitu changu ikana shibote tulianzaka mudamu. Nous tous tel que nous sommes. Kama mama yetu tulishaka mudamu mimi nipasha kuhubiri. Si mama ma mère avait avorté ce que je devais prêcher aujourd'hui. Asa wakati wewe unaenda kuwa. Et quand toi tu tues maintenant. Mungu embariki sana. Amen. Mungu embariki. Amen. Amen. Unakuta docteur nani ndiye mwenye mama. Et tu trouves le docteur qui se mêle à ces manani, ils font toutes ces manœuvres là. Jo nakuta sasa banabeba sasa ule mtoto banamweka anakuwa ni responsable ku musique. Et on trouve cet envie l'enfant là il devient responsable. Ule mtoto mwanamke anaenda fanya mabitu. Pourquoi? Akwe nani? Akwe responsable. Akwe responsable ku musique. Anze kufokea bengine. Pourquoi ashibashiju afunge le secret banamweka anakuwa responsable. Ushipi make kusema ile mambo. Ne dose pas jamais dire ça. Comme on ne peut pas toucher les mambo. Si tu avoues cela, tu t'accouffes. Tu t'accouffes en cage à mon goût. Il est sabaché déjà pour faire spirituellement. Ils sont morts spirituellement. Mungu bariki sana. Bote bado basha déjà kufua. Tel qu'ils sont là, déjà des morts. Pour que Mungu bakaburie vie. Pour que Dieu puisse. Il faut batubu. Il faut se repentir. Je vois que ça, mtoto mwenyewe anamwambia sasa bana mo. Et tu trouves la fille, on la prend avec elle. Zala. Zala, il n'y a pas d'enfant. Mungu, baba Mungu, unaona shinye, unaona Mungu. Et tu fanye jeune comme il y a 3 jours, yeye ule. Na manzambi acha kutumba. Avec des péchés non confessés. Mungu kama anaangalia na ngara sasa Mungu yako wewe. Mungu ibariki sana. Amen. Mungu ibariki sana. Amen. Shinde neema munene sana. Amen. Kama tunaanza vifanya si on le faisait. Mungu ibariki sana. Amen.
Mungu anitosha mbuchafu kama tunaweza tuangalie. Si Dieu nous a tiré de ça. Vitu vitu tunaanza kufuani. Realiser ce que nous avons fait. Tulikuwa semblable na banyama. Tulikuwa bado kufanana na banyama. Mungu abariki sana. Amen. Tulikuwa bado kufanana na banyama. Tulikuwa nous étions semblables aux animaux. Même munene Mungu anitufanishia. Mais par grâce que Dieu nous Leo Mungu anakuheshimisha anaweza kubanaza kuita sema frère. Mais aujourd'hui Dieu t'a honoré, on t'appelle même frère. Leo anakuita kwa naweza sema dad. On t'appelle même sœur. Sœur en Christ. On t'appelle même sœur en Christ. Nemakan. Ni nemakan. C'est pourquoi que mambo ya Mungu tu bambeni. C'est pourquoi dans les affaires de Dieu. Kushi mambo sauti ya Mungu kumiliku bicho kwa bilo. Tenez pas la parole de Dieu au bout des doigts. Mutaona vile Mungu atatusaidia. Et vous allez voir comment Dieu va nous aider. Mungu embariki sana. Amen. Utasoma kaposho sasa kwenye. L'adversaire Adoui, veillez à ce qu'il soit jeté en prison. Wakati yote unaona shi batoto ya Mungu. Toutes les fois qu'on voit nous les enfants de Dieu. Nous distraction. Quand nous sommes dans la distraction. Il est ça unakataraka kuomba. Quand tu refuses de prier. Shetani yeye unakuangalia. Dieu le diable te regarde. Eko na veiller kwako. Eko na progresser. Akubombe tu kutupe mu prison. Pour t'amener dans la prison. Ubuloko. Ushakulala. Tu es endormi. Yeko unakuangalia. Lui il est là en train de. Mais mwenendo yako yote kuna kufuatilia. Dans toutes tes devoirs, il est en train de te regarder. Comme on a permis de tourner avec quelque chose. Et deuxième âge, comme vous foutez, il y a un amour, peut-être que je tourne les couches. Le deuxième âge est trop court, demain on peut terminer pour attendre le. Mungu et Mibariki. Pas qu'à venir tourner quand tu la sèmes avant tout la badada. Si tu coupes avant de venir couper ou à même à San. Wakati yote kama tunashika sauti ya Mungu, hii sauti, jo inekalake kuna tutosha munzambi. Sauti ya Mungu ni mai. Wakati hata kama unatembea mbuchafu, ni sauti ya Mungu inaenda kututakasa, inaenda kutuosha, ili manzambi yote ipate kutoka mbali nasi, tupate kwa agreeable mbele ya Mungu wetu. Mungu aimbariki sana. Amen. Na paka vile sauti ya Mungu natokea kusomewa hapa, pa hii dunia peku ni maroho tu mbili. Wala huku na roho ya Mungu, wala huku na roho ya shetani. Na sauti ya Mungu inasema, mtoto wa Mungu achezu kupersekite nduku yake hata siku moja. Kama unaona mtu wa yeku nenda kupersekite nduku yake, mtu wa nenda kuzisha banduku yake, tuku natambua kupetia le matendo, huyu washina na roho ya Mungu, ile naza kumongoza ni roho ya shetani. Na misi jaonaka pa dunia, la Bible nous dit, la nature ne vous enseigne telle pas. Pake vitu iko, da Esther na da bebe, beko mu masomo. Banafunda masomo mwaka naisha, da Esther anashinda, banaproclame, da Esther anatokea wa mwisho na 12%. Da bebe anapata, anatokea wa kwanza na premi na 70%. Nani atafanya mwenzake fuji? Si ula nishindwa? Ula nishindwa jwa nafanga fuji. Pourquoi? Parce que wakati unaliweza, anaanza kwenda na furahia, sema unalionesha. Joga nani, utashutuka tenda tu, wee toka kule, unakalionesha sawa unaki, nini, aina, ula na shindaka, joga nekalake kuna fanya fuji. Sasa, koma sofetike wee unasema kuna verite, unafanya fuji mwenzako juu ya nini. Joga mana Mungu anatuonesha sema, wakati na ya eglise katolika rianzaka, anazo mditanga sa eglise me, sema kena leo, chicho eglise me, mwe mwote mwanatoka ni kwetu. Sasa, mshitu natoka kwa, uliuwa batu juu ya nini. Tous les martyrs qui sont endormis aujourd'hui sur la terre, catholiques, nous m'ont dit bantu mingi sana, Dieu est sauti ya Mungu. Moi, tu as encore fait un baouille à Dieu. Ni Dieu connaît château à Kusema, ndugu yangu na dada yangu, Mungu, aba mchangake na kingine. Kama leo unasema huku natumikia Mungu na vimu waki na ukweli, bamba paka kuneno la Mungu, Mungu atakuwezesha. Na natuonesha sema, sois fidèle jusqu'à la mort. Pa dunia hapa. Sauti, si ndugu yangu anasoma, le diable veille. Yekuna kesha. Pana wewe kudistrait. Yekuna kesha.
Na sauti ya Mungu unasema mupeme Pierre, mupeme Pierre 5 akisema le diable rôde autour de chacun de nous. Kwa wakati yote kuna tembea, ukwe kunyumba, ukwe munjia, heku naangalia mimi sikumbambia wapi. Mimi sikumbambia wapi. Nimpike muteko kama pale unaluka na shimo. Wapo unaloka distrait, njoo pale atakupiki. Amen. Njoo kama na mtoto wa ndugu na madada, sawa watoto wa Mungu, tukwe bantu benye kuya. Benye kushika pa kuneno la Mungu. Kila wakati na kila saa. Quelque soit la situation qui peut arriver, ujiulize, que dit la parole de Dieu? Mungu anasema ako nini? Voisine anakuchambula. Mungu anasema nini? Umudurisha na matushi. Wakati unarudisha matushi ni prison déjà Mungu. Josh était prison. Anaingia mu prison. OK. Fredi tunaweza kwenda tu tunafika munjia. Ukitesha tu mtu anafika, asina hata sana alikuwa anafika tu anakushutura kumkula. Qu'est-ce que la sauti ya Mungu anasema je? Umupike na okofi, umbambe mangu. Pala na mamba mwagwa, si okay, na mwaka mpizo. Anadudia kwa jedao. Nisi, ekuna veye, ekuna tafuta. A, nijui ya nini, anajua sema, wakati yake nafika kumwisho. Eno atafuta kufo na bantu bote, pulkua anajua kubila nionaga kumbingu. Kuku bintu bizuri mwenye natuchunga kumbingu. Sasa vila yesha umirusa, ashipende tukabipate shiye. Job kamana, sibri ya shetani, nishiyama yu kukala hapa. Mulu kangaba umu, sibri ya shetani, nishiyama yu kukala hapa. Kuku bantu wana sema beku mu makanisa, beku manani. Mubile mena fanafana, shetani shawa nisa haba. Mnesha nisha wapata ni bangu. Sasa bale beku mubukweni. Bale mena nishiki, beku nenda kujirevele, beku na mfunula. Bale nijua matatiki yangu yote. Ifu nipikane nabo, paka nabo baka nikabashindisha kwenda kumbingu. Sasa we, pulkua huku mumvita mwome mwenye kwa mwenye kuriachi, mwenye kusura bintu. Kama huku nenda mumvita mwenye, unenda mubukofi mwenye kwa mikono kumkongo. Chua takuu wamo. Joko wana shii, sawa toto wa Mungu. Tuku nenda mvita, tuweze, uyu tunapikana naye. Enemi onge shita kwa Mungu tatashikumo. Enemi wako dada yangu, ni we moya na mampepo mchafu. Amen. Joki, ujo enemi wetu. Atuna, jame, si dan se kombas, nike nous sommes en train de mener, frère honoré peut-être mon ennemi, donc j'ai perdu la bataille. Si dans ce combat, ni frère Eddy, ou bien ni frère Peter, j'en ai ennemi onge, tu as perdu la bataille. La Bible dit, nous nous battons, non pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits impurs. Ni ma démon, Dieu ne kaka na, Dieu kwa mana, kila wakati na kila saa, tu ne kaka tu na jichunguza, ataka mambo natokele hapa. Sa mtoto wa Mungu, uliulize hii mambo yenye, natokele hapa, ni ndugu yangu joko na sema vya ni kingi, ni mpepo mchafu na mungenda. Kama ndugu yangu, ni frere di uli, anikaka tu wa heshimu. Pake tu ne kaka tu na mbana, tu kuna frere honore, tu frere wangu, nona je, awe na we toka mbe kwali, unaanza uni, unazobelea sana. Nini? Parce que ni yeye ubia ni mguu tu na kwa kama huyu mtoto wa Mungu tesa hapana aenda ndugu yangu ndugu yangu ni nini yenyewe unaanza nayo na kama kuna ule ku spiritual atarekipele ndugu yake ndugu yangu ni unashutua sangine anaweza sema comprehension ndugu yangu ni rumie kwa sijue kile kinanibeba tuombe Mungu tunaandama ule shetani tunaenda yeye ndugu yangu sasa kama hauna spiritual kama huku unaona mambo yote paka mkimwili utaenda utaanza kukombana unaanza na wakati mnakombana shetani anapiga mikono baba pata. Oui, on se voit comme vérité, on est comme vérité. Bon, ça va piquer mes chabits. Chez les gars, la kimia, on s'en est engagé. Joe, quand on a un doux la madada, tu couilles bande, tu me couches pas par mandigo matagatifu. Qui a un quatre et qui a ça? Quelle que soit la situation qui peut arriver, ou du lise, que dit la parole de Dieu? Mungo en Bergisan. Amen. Ce qui a monté à la chia, ça outil à mou, dans tout à l'ombre, chez vous, pour que Mungo a pas de soucis.